Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui, nouvelle sortie, toujours en Cuissard-Cours, mais avec ma nouvelle machine, mon gravel de chez Nakamura Century. Alors, beaucoup de changements, évidemment, par rapport au vélo de route. Je me suis dit, en fin de saison, vous avez pu le voir, j'ai eu pas mal de galères avec les VTT. Je veux dire que c'était déjà très dur. Et donc, pour l'occasion, je me suis dit, pour un VTT, t'en fais un mois dans l'année, ou alors l'occasion d'acheter ce magnifique modèle. Et ben, mon choix s'est porté sur le gravel. Parce que c'est une discipline que je connais peu, quasiment pas. Et d'autre part, là ça monte. Bah, dans la région, il y a beaucoup de sentiers qui permettent le gravel. Donc, voilà. Je pense, pour ceux qui me suivent régulièrement, que vous reconnaissez l'endroit. On est à Juigné-sur-Sarthe. Et l'hiver dernier, j'ai découvert un sentier qui longeait la Sarthe, qui est juste derrière moi. Et qui était un chemin sympa à faire en VTT dans des conditions hivernales. On est au printemps, il fait un peu plus sec. On va tester ça. Et on va le tester lui. L'hiver dernier, je vous ai emmené sur le même sentier avec le VTT. On devait aller découvrir un château qui se trouvait sur les hauteurs de la Sarthe, de l'autre côté de la rive. Et malheureusement, on n'a pas pu le voir. Et grâce au printemps et à sa végétation refleurissante, on peut l'apercevoir. Bon, apparemment, il n'y a pas que les fleurs qui repoussent au printemps. Les ponts aussi. Donc là, actuellement, on se retrouve dans une zone de restauration écologique. C'est-à-dire qu'on va restaurer et essayer de réalimenter et réanimer la faune locale par le biais de travaux réalisés sur des ruisseaux ou
sur des forêts. Donc c'est sympa. Je revois des promeneurs dans des sentiers de forêt. Je pense que la saison de la chasse doit être terminée. C'est donc sur cette voix off et sur ces dernières images de Gravel que je vous laisse. Je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. Pensez à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Si ça vous a plu et si c'est susceptible de plaire à votre entourage, partagez au plus grand nombre. Et à bientôt sur les petits vlogs à vélo.